Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Cette semaine, nous allons nous intéresser au tournage de cinéma en Bretagne. Notre région a accueilli des centaines et des centaines de tournages. Les réalisateurs trouvent ici les décors naturels, les lumières et les personnages nécessaires à la réalisation de leurs œuvres. Alors, pour débuter cette série, je vous propose une petite exploration des films qui ont marqué l'histoire du cinéma en Bretagne. Et pour cela, nous serons accompagnés par deux guides, Nolwenn et Maria Blanchard. Bonjour Nolwenn, bonjour Maria. Vous êtes originaire du Morbihan et vous avez écrit, co-écrit ce livre en 2015, donc La Bretagne au cinéma. Comment vous avez travaillé et choisi ces films ? Alors, en fait, au départ, on a répertorié avec l'aide de la Cinémathèque, qui on avait déjà fait ce travail, tous les films qui avaient été tournés en Bretagne. Et nous, on a fait le choix de parler de ceux dans lesquels la Bretagne avait vraiment un rôle important et qui en montrait en fait une représentation particulière, c'est-à-dire des films qui n'auraient pas pu se faire ailleurs. Donc où la Bretagne avait un rôle dans le scénario, que ce soit comme personnage, comme toile de fond, mais qui accompagnait l'intrigue en fait. Alors il y a un réalisateur qui a beaucoup tourné en Bretagne, c'est Claude Chabrol. Le premier film qu'il a tourné en Bretagne, c'est Que la bête meure, et il a pu s'inspirer vraiment de l'environnement, du paysage, du climat, de tous les éléments qui composent un peu les paysages de la Bretagne, pour inscrire ça dans son scénario et accompagner vraiment le développement de l'intrigue, puisque c'est un père qui cherche à venger la mort de son fils qui a été fauché par un chauffard. Que la bête meure est tourné en 1969 avec Jean-Yann dans le rôle du chauffard meurtrier. Un film tragique à l'ambiance pesante que Chabrol installe en Bretagne. C'est la première fois que j'ai un rôle vraiment sérieux, un rôle qui n'est pas fait pour faire rire. On peut pas, au départ, j'écrabouille un petit garçon de 8 ans à la première image. Alors évidemment, ça supprime tout le côté comique troupier qui pourrait éventuellement naître par la suite. Eh bien écoutez, c'est après un bouquin anglais qui se passait en Cornouailles. Alors, comme je l'ai adapté, on l'a adapté sur la France, on a immédiatement pensé à la Bretagne, avec Jégoff qui est le scénariste, et comme il connaît très bien lui la Bretagne, un peu moins bien que lui, mais que j'avais fort envie de la connaître davantage, je me suis dit, après tout, c'est la meilleure idée possible. Alors on n'a jamais songé le tourner ailleurs qu'en Bretagne, on va dire. Au total, Claude Chabrol va réaliser 7 longs métrages dans la région, dont Le fantôme du Chapelier, tourné en 1982 à Concarneau avec Michel Serrault et Charles Aznavour, ou encore La cérémonie en 1994 à Saint-Malo avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Chabrol sait mettre à profit le climat et les paysages bretons qui ont toujours servi l'intrigue de ses films. Les côtés un peu brumeux, les paysages escarpés, où finalement n'importe qui peut déraper à n'importe quel moment, et on ne sait jamais si c'est un meurtre, un accident. Et donc Chabrol arrive bien à mettre en avant ces aspects-là de la Bretagne. Il y a un autre réalisateur qui a pas mal tourné en Bretagne, c'est Emmanuel Poirier. Oui, c'est ça. Il a tourné 3 films en Bretagne. En général, ces films sont des road movies. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment l'idée de la route, de vivre des histoires dans des petites villes. Ça peut être des villes de la côte aussi. Et puis de traverser la Bretagne de ville en ville, en fait. Et à chaque fois, on vit des histoires différentes. Ça fait évidemment évoluer les personnages. J'ai un rapport personnel, affectif avec la Bretagne. Et comme je mets beaucoup de moi dans mes films, je mets aussi ma vision de la Bretagne, de ce que je ressens. C'est là où je m'exprime bien, où je me sens bien, où je situe bien les histoires que j'ai envie de raconter. On n'a pas pour très longtemps. De nombreux réalisateurs sont venus tourner en Bretagne pour son littoral. Le littoral breton est très présent dans les films tournés en Bretagne. Je pense notamment à L'Équipier, qui est un film qui a été tourné à Ouessant. Avance un petit peu. Il y a une sorte d'image de bout du monde où finalement les habitants sont un peu malmenés par les éléments. Ça permet de faire un climat aussi un peu en huis clos, mais entouré par la mer.
un des premiers réalisateurs qui a mis en image la mer et la côte bretonne, c'est Jean Epstein. Lui, il a fait une sorte de travail ethnographique où il a vraiment passé du temps avec les habitants. Il a souvent même embauché des amateurs qui n'étaient pas spécialement comédiens pour jouer dans ses films. Et donc, il arrive à bien retransmettre le mode de vie des habitants, leurs difficultés, en mettant vraiment en valeur la région. De même qu'autrefois, le Breton édifiait sa maison en bois, aujourd'hui encore, parfois, il construit lui-même sa barque. Il y a un film qui reste quand même ancré dans les mémoires quand on parle de cinéma en Bretagne, c'est Les Galettes de Pont-Aven. Il joue beaucoup avec les clichés dans ce film, mais c'est pour autant, la trame principale, ça reste un road movie. Tu passes là. Oui. Beignet, pomme d'api. Alors je vais faire des petits virages. Ouais, beignet, pomme d'api. Beignet. Voilà, pomme d'api, beignet. Jean-Pierre Marielle traverse la Bretagne pour échouer un petit peu à Pont-Aven. Et donc on voit totalement sa transformation. Donc on voit moins le littoral, mais par contre, il traverse les campagnes, les petites villes, les petites bourgades, avec à chaque fois, comment dire, beaucoup de petits détails au niveau de la mise en scène, au niveau du décor et au niveau des personnages qui intègrent bien l'histoire et le personnage dans une certaine réalité bretonne. Kénavo, Kénavo. Merci Nolwenn, merci Maria. Alors, votre livre, hein, c'est La Bretagne au cinéma chez Rive-Neuve Édition. Et si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Belle soirée.